Osez vous rapprocher du feu de camp. Osez vous asseoir près de moi. Osez vous abandonner aux contes du roi conteur. Les contes des deux comtés par roi conteur sur le site de l'Académie de Minuit avec un compte mensuel gratuit, un recueil de 9 contes en vente sur le site et notre web série en septembre 2017. La Peterson, il faut bouger. Je reste là sans bouger pendant des jours. Tu vois pas que je suis aveugle? Et alors? Apprends à regarder ce qui ne se voit pas. Je dois te l'avouer, Néré. Je suis inquiet pour toi. Mais sache que je suis toujours là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Les gardes arrivent. Ils sont accompagnés. Des fois, ils prennent l'un d'entre nous. Et on le revoit plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une dame qui est venue voir la bergère. Elle est malade depuis 3 jours. Mais c'est... Attendez! 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 C'était qui? C'était un guerrier de la lumière! C'était qui? C'est incroyable. C'était un guerrier de la lumière. Comment ton rêve d'aller voir la mer? Mais toi tu apprends à regarder plus haut. Quand on passe sa vie à genoux, il est dur de se mettre debout. Mais toi tu apprends à te hisser plus haut, hisser plus haut. Kaliderson, c'est quoi un guerrier de la lumière? Je ne sais pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont une épée de lumière dans la main. C'est de l'énergie, tu comprends? Et ce que je sais, c'est que j'en étais un. C'est pas possible. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis mort? Non, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mais Charlie, je suis là. Tu promets que tu resteras. Tu promets qu'on se séparera plus.
t'inquiète pas, Charlie. Je resterai avec toi. Je resterai toujours avec toi. Dors bien, chérie. Pas vrai. Je suis un fantôme condamné à errer sur le monde. Et non, non, je me retrouve à côté de la personne que je ne veux pas revoir. Pourquoi? Pourquoi toi, il faut que tu sois là? Mais c'est à cause de toi. Mais c'est à cause de toi. Mais c'est à cause de toi que ça m'arrive. Pourquoi? Néré, Néré, c'est toi? Oh, quelqu'un m'entend? Il m'entend? Mais... c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Néré, Néré, j'étais inquiet, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que la seule personne qui puisse m'entendre, ce soit lui? Pourquoi? Mais je n'ai pas mérité ça. Comment ça, je suis le seul qui... Mais de quoi tu parles? Je suis devenu un fantôme, je ne peux plus rien toucher, personne ne m'entend, personne ne me voit. Parce que Solène t'a cherché et c'est tombé sur moi. Elle m'a tout pris. Et c'est à cause de toi. Mais c'est ça. Soleil m'a pris mon pouvoir. Et je suis devenue aveugle. Toi, ton pouvoir, c'est le toucher. Et tu es devenue intangible. Nya 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 nya. Je te hais. C'est ça qui s'est passé. Soleil a changé. Et c'est pour ça qu'elle a pu nous prendre nos pouvoirs. Néré, les autres sont en danger. Qui sont les autres? Mais c'est terrible. Il faut faire quelque chose. Je te hais, moi, je te hais, je ne peux plus rien faire. Et pas débrouille-toi. Néré, attends. Je te hais. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette porte? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi tu es là? J'en sais rien. Et toi alors? Pourquoi es-tu là? Je suis là pour Isabeau. Elle s'inquiète. Elle s'inquiète? Mais comment ça? Je viens ici toutes les nuits, quand je dors. Mais pourtant, je ne m'en souviens pas. Isabeau? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens là tous les soirs. Pour voir si je la croise. Qui doit venir ici? Elle. En fait, c'est... Isabeau, je ne comprends pas. Qui doit passer cette porte? De qui tu parles? Dis-le-moi, s'il te plaît. Dis-le-moi. Isabeau? Où est Isabeau? Il y avait une grande porte. Et tu étais là. Tout va bien? Des histoires comme ta porte? Quoi? Tu veux une autre histoire? C'est l'histoire d'enfants qui ont été vendus au marché comme esclaves. Alors, les enfants essaient de s'enfuir. Des fois, ils sont ensemble. Des fois, ils sont tout seuls. Parfois, les filles deviennent servantes. Et les garçons peuvent devenir bouffons du Seigneur. En fait, ça leur plaît d'être esclaves.
et d'être utiles. Mais ils ne sont pas indispensables. Alors ils sont traqués. Elle est triste, ton histoire. Tu ne voudrais pas changer la fin ? On ne peut pas... Quoi ? Mais oui, tu as raison. Quoi ? Rien, dors. Plus rien ne sera comme avant. Mais comme toujours, nous continuerons à nous relever. Le but n'est pas d'être comme avant. Le but est d'avancer. C'est ce que nous avons toujours fait. Le sceau qui retenait le dragon prisonnier a été brisé. Notre devoir est de retrouver, détruire ou enfermer de nouveau ce dragon. Mais ce dragon n'est pas le seul ennemi des gardiens. Nous allons devoir nous occuper de Taronaka.